Normalement, tu devrais avoir Guillaume. Luc Moulet parle déjà ? Non, pas encore. Dominique ? Dominique ? Non. Je sais que vous êtes très, très sollicité, donc vraiment un grand merci. Parce que entre les publications des trois livres, deux chez Capricci, puis Choisi, Notre Alpin quotidien. Alors je cite Capricci en premier pour confirmer que votre principe du plombier marche, c'est-à-dire que Capricci est cité avant Yellow Now. Donc Guy, il faudra peut-être une parenthèse comme ça. Et chez Yellow Now, donc ce livre, Le Rebelle de King Vidor. Black Now, ça passerait peut-être mieux. Black Now. Ouais, ouais. Donc, c'est les publications de ces trois livres, l'intégrale de vos films au Centre Pompidou, la sélection de votre dernier film en date, La Terre de la Folie, dans la quinzaine des réalisateurs de Cannes. Donc, très grosse actualité, donc vraiment un merci à la hauteur de cette actualité. Et en fait, ma proposition de vous faire parler d'un quotidien du jour était venu pour moi par rapport à votre acuité, votre réactivité par rapport à ce qui nous entoure. J'ai eu le sentiment de tomber un petit peu dans un piège, quand on m'avait dit ce sera l'équipe selon Luc Moulet. Je me suis dit bon, d'accord. Mais donc je vais vous laisser la parole pour parler de l'équipe. Je vais faire comme Godard, je vais détourner la commande. D'autres choses. Parce que j'ai acheté l'équipe ce matin, et puis je trouve que c'est plus intéressant de parler de aujourd'hui sport. Mais enfin, c'est un peu. Les deux sont inséparables, c'est assez rigolo. Donc vous ne connaissez sans doute pas aujourd'hui sport, je pense d'ailleurs que peu d'entre vous connaissent l'équipe, sinon l'avoir vu comme ça. Aujourd'hui Sport est le deuxième journal, le deuxième quotidien sportif français. Je ne pense pas qu'il y en ait un troisième, et ce qui est une situation originale, parce que donc aujourd'hui Sport, c'est fait 7 mois d'existence. On considère, par exemple, donc il y a le générique à la page 21. Je vois, c'est principal associé SAS Intrapresse. Et là, dans l'équipe, c'est le producteur, celui qui possède l'essentiel des droits, c'est la même SAS Intrapresse. Donc deux concurrents avec le même éditeur. On imagine mal ça dans le cinéma, Positif et Cahiers sous la même houlette. Et ça demande quelques explications. Alors, on voit par exemple que pour Aujourd'hui Sport, la présidente s'appelle Aurore Amaury. Et à l'équipe, la présidente s'appelle Marie-Odile Amaury, laquelle est la mère de la première nommée. Évidemment, la publicité, ça compte beaucoup pour les journaux. Des deux parutions sont l'œuvre de Amaury Média, même téléphone. Donc, il y a quand même beaucoup de liens. Imaginez encore les cahiers positifs sous la même houlette. La publicité, d'ailleurs, on voit, c'est très important sur l'équipe, puisque ça fait 8 pages de l'équipe sur 24. Hein. Il y a, là, je crois que ça coûte ça.
En tout cas, ça fait le tiers du journal. Il y a d'ailleurs des publicités amusantes comme ça. Dans l'équipe, il y a cuisiner, créer, évoluer. Bon, il faut sa pub dans l'équipe. Et puis, des conseillers emploi, le métier de boucher. Donc, c'est effectivement, il faut un certain effort, comme dans le film de Jacques Tati, pour être boucher. 15-25 ans, n'hésitez pas à devenir boucher. Et d'autres, il y a d'autres choses, c'est assez étendu. D'ailleurs, Paolo Branco faisait, lorsqu'il sortait un film de De Oliveira, faisait la pub dans l'équipe. Et il m'a expliqué pourquoi. Parce que De Oliveira, l'équipe, c'est pas évident. Hein. C'est parce que c'est quand Joaquim Agostinho courait et gagnait une étape où était bien classé, tous les Portugais, selon lui, lisaient l'équipe. Donc, il tombait sur la pub de De Oliveira. Je ne sais pas si ça marchait très fort, mais enfin, c'était intéressant à signaler. Oui, donc, mais Agostinho est mort en 1984, hein, Luc. Oui, mais effectivement, on remonte un peu au passé. C'était intéressant de faire cette comparaison. Alors, il faut savoir pourquoi, effectivement, il y a ces deux journaux concurrents sous la même houlette. Ben, c'est parce que il y a quelques mois, il y a eu un concurrent de l'équipe. Il y en avait un qui avait été coulé il y a 10 ou 20 ans, à peu près. Et puis, il y en a eu un autre qui est arrivé, qui s'appelle le Disport. Alors, l'écurie Amaury, il faut bien l'appeler comme ça, surtout qu'ils sont assez à cheval sur pas mal de choses. D'ailleurs, Amaury est mort d'une chute de cheval. Et il n'y a pas question qu'il y ait un deuxième quotidien sportif en France. Même si, par exemple, en Italie, ça existe, il y a la Gazzetta dello Sport. Et il y a tout au sport, et peut-être un troisième. Mais enfin, bon, comme ça, c'est le principe de la monarchie sportive. D'ailleurs, l'écurie Amaury était très montée lorsque ils ont abandonné le Tour de France féminin. Et puis, il y a un autre sponsor qui a voulu rééditer le Tour de France féminin, qui a commencé à s'appeler Tour de France. Bon, procès de Amaury, on n'a pas le droit d'utiliser le terme Tour de France. Et puis l'autre a pris le terme La Grande Boucle. Alors encore procès, mais La Grande Boucle était le surnom du Tour de France, mais pas le nom officiel. Donc, l'épreuve féminine qui faisait le Tour de la France, plus ou moins, a eu le droit de continuer à porter le titre La Grande Boucle. Mais revanche, évidemment, l'écurie Amaury scandalisée, alors même que sur la télé, sur la France 2, il y avait des reportages sur la grande boucle féminine, il n'y avait pas une ligne sur le Tour de France féminin dans l'équipe, ce qui était pas mal. Et ça continue aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment ça se passe au sein des Amaury. Bon, c'est pas la lutte fratricide entre Aujourd'hui Sport et l'équipe, entre mère et fille. Et ils ont créé Aujourd'hui Sport parce qu'il y a eu cette boîte qui s'appelait donc Disport et qui avait son quotidien. Et le but était de couler Disport avec Aujourd'hui Sport. C'était relativement facile parce qu'ils étaient bien implantés. Hein. Et effectivement, ils ont coulé Disport, qui est, au lieu de rester quotidien, il est devenu mensuel. Hebdo. Donc, ce qui change la donne. Et puis, une fois qu'ils ont gagné, bon, ils ont gardé Aujourd'hui Sport. C'était difficile de renvoyer les gens. Et ça marchait peut-être pas si mal. L'équipe, ce lundi, tire à 500 000. Ça, ils n'affichent pas le tirage. Je ne sais
possession obligatoire d'afficher, peut-être. Mais enfin, je pense que ça tira 50 000. En fait, ça doit marcher. Ça doit marcher pas si mal. Et aujourd'hui, sport, ce serait pas un peu comme ce qui est, je sais pas si ça existe encore, UGC Prestige par rapport à UGC ou un UGC Art et Essai par rapport à UGC Oui, à part que Art et Essai, on verrait que c'est oui. pas tout à fait Art et Essai. Et donc, ça avait plusieurs avantages aujourd'hui, sport. C'est d'abord l'équipe coûte 0,95, elle coûte. Le lundi, 0,85 en semaine. 1,10 je crois. Oui, c'est 1,10. 1,10, c'est 0,95, oui. Ils ont augmenté de 12 ou 13% en un an. Et 1,80 le samedi, parce qu'il y a un magazine illustré, bon, qui est d'un intérêt très relatif d'ailleurs, et que celui-là coûte que 0,50, ce qui est plus avantageux. Et... En même temps, bon, vous voyez là, c'est le format, par exemple pour le métro ou les transports en commun, la plupart des journaux sont passés à ça, tandis que l'équipe, c'est difficile de lire l'équipe dans le métro, hein, et il faut la déplier avant, surtout le matin, et puis aussi des transports en commun dans les autres villes que Paris. Donc c'était deux avantages. En même temps, c'est à mi-chemin entre 20 minutes et le Figaro. C'est 0,50 au lieu de 0,0, mais enfin, on gagne quand même. Et c'est surtout avantageux le samedi. Hein. 0,50 contre 1,80, il y a ma photo. Donc voilà comment ça se passe. Puis un autre intérêt, c'est qu'il y a les mordus qui achètent les deux. De même qu'il y a des mordus qui achètent à la fois cahier et positif. Parce qu'ils ne veulent pas rater le quart d'un article sur leur sport favori. Alors voilà comment ça se présente. C'est assez rigolo, effectivement, cette fausse concurrence. Il y a une théorie qui a été émise, c'est que les Amaury voulaient vendre l'équipe assez cher. Et puis ils se disent, on va continuer avec aujourd'hui sport, tout seul. Nous, après avoir raflé le pactole. Mais enfin, il y a eu des bruits comme ça, c'est pas confirmé. Alors. Il y a aussi aujourd'hui qui. Avec le Parisien. Oui, il y a aujourd'hui sans sport qui continue. On aura toujours sous la coupole Amaury. Donc, si on regarde aujourd'hui du sport qui est le plus amusant, hein, on voit que c'est très élargi par rapport à l'équipe. Bon, il y a des mots croisés, mais alors il y a les mots croisés sport, hein, et il y a les mots croisés passeport. Hein, et puis les mots secrets, etc. Donc, on élargit. Alors, arrivée du turf. Il y a une page de turf. Bah, pourquoi le turf? Bah, je pense qu'il y a beaucoup de chiffres et celui qui lit la presse sportive marche fréquemment aux chiffres. Il y a dans la presse sportive beaucoup de minutage, on compte à la seconde, etc. Il y a des chiffres partout. Ce qui est un peu contradictoire avec le principe du sport qui est surtout fondé sur les muscles. Donc muscles et chiffres, c'est pas tout à fait la même chose. Mais souvent, ceux qui lisent les journaux ne pratiquent pas tellement le sport, ou l'ont pratiqué d'abord, et ils marchent souvent sur les chiffres. Et puis en même temps, le turf, il y a un côté compétition, puisque c'est des courses de chevaux. Et puis, il y a beaucoup de marches. C'est aujourd'hui sport qui appelle, je ne sais pas, je vais contester. Et il y a tous les pronostics du turf, en même temps qu'il y a les pronostics pour le sport, parce que le grand chiffre dans les journaux, c'est qui va gagner dans X mois telle épreuve, etc. Il y a aussi tous les programmes télé, alors que dans l'équipe,
Il y a simplement les programmes télé du sport, qui occupent pas mal de place, puisqu'il y a 8 chaînes sport. Hein. En plus des passages sur France 2 et France 3 et Canal+, lorsqu'il y a des matchs ou du tennis. Donc, il y a aussi, et pour élargir un peu, il y a des références au reste du monde. Par exemple, je vais ce matin acheter Aujourd'hui Sport, bon, il est traduit comme ça. Palme d'or. Allez. Ah bah tiens, il parle du festival de Cannes. Ah bah je vais l'acheter. C'était pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté, je ne me souviens plus. Et donc il y a une photo intéressante, mais on voit que les palmes d'or, c'est pour deux footballeurs. Et l'équipe, d'ailleurs, marche un peu de la même façon, parce qu'il y a un dessin avec une palme là, à propos de Cannes, une palme d'ocre. Et une petite légende que j'ai pas comprise, méfions-nous des pronostics. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce que c'est une allusion à un film qui est passé à Cannes? Je ne les ai pas vus. Un personnage comme ça, avec une chevelure un peu barbare ou hirsute, un vêtement. Donc, est-ce que c'est une référence à Antéchrist ou je ne sais pas. J'aimerais bien que quelqu'un m'instruise là-dessus. Donc l'équipe continue un peu sur ce registre-là. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Des références aux acteurs, par exemple, pour élargir le point de vue. Il y a le point de vue de Stéphane Fraisse, l'acteur français assisté au match de tennis. Donc une demi-page sur Stéphane Fraisse. Donc, un élargissement sur le non-sport pour conquérir un peu de public. Ils auraient pu faire un papier sur Looking for Eric. Oui, mais ça, ils ont dû le faire certainement, mais comme c'est passé il y a 8 jours, c'est la première fois que j'achète aujourd'hui sport. Et on voit comment ça fonctionne, c'est assez intéressant parce que. Il y a le non-sport et puis en même temps il y a la dérive, donc il faut faire du thriller. Hein. Je vois la page 6 et la 7, ça va mal. Donc il y a le championnat de la peur. Pourquoi le championnat de la peur? Parce qu'il y a des hooligans d'une part, et puis parce qu'il y a des équipes en queue de classement de foot, qui ont peur de passer en deuxième division, ce qui en principe est moins bien. Alors ils appellent ça les quatre derniers matchs de la peur, où on va rater le titre. Donc il y a le mot peur qui revient, et alors Nantes qui va passer en deuxième division certainement, et puisqu'ils sont avant-derniers, ils disent il y a un titre, jeu de mots, qui est Nanterrement. Et alors il y a aussi ça fait peur là, un interview, les supporters ne vont pas me tuer, vous voyez où ça marche. Et il y a le navire de l'angoisse, alors ça c'est très intéressant parce qu'il parle de du Havre qui joue là et qui est en dernière position. Alors, qui dit Le Havre pense bateau. Donc, Normandie, hein, Le Havre c'est en Normandie. Et Normandie, c'est un bateau. Normandie, on pense au Titanic. Et il y a le navire de l'angoisse avec un navire coupé en deux. Vous voyez comment ça procède l'imagination. Hein. Le grand paquebot de tous les dangers. Ça marche, mettre beaucoup de thrill dans le sport. Il continue sur cette page-là. La poisse, nous sommes retombés dans la zone rouge. VA, c'est Valenciennes, classé à haut risque. Donc, dramatisation à l'extrême. Il n'existe pas vraiment dans l'équipe, hein, qui est plus pondéré. Le sexe aussi. Alors, suspense, sexe. Alors bon, c'est des choses plus banales, par exemple.
le Barça, c'est un club de football espagnol, ne pense qu'à ça. C'est une expression courante avec connotation sexuelle. Enfin, le ne pense qu'à ça veut dire gagner. Enfin, c'est déjà un premier pas. Et puis, il y a... les pronostics Roland-Garros, qui sont à côté des pronostics Turf, bon, c'est dans les astuces de Miss Pronostic. Bon, donc il y a une poupée Barbie dessinée, là, qui est pas mal d'ailleurs, comme ça. Il n'y a pas de photo. Et donc c'est pronostic. C'est pas du tout sûr que ce soit une femme d'ailleurs qui fait ça, puisqu'elle n'est jamais nommée. Mais il y a effectivement, bon. La sexualité est parfois présente assez fortement dans l'équipe magazine, enfin pas toujours. Il y a aussi, là on voit Roland Garros, Natasha Lytton avec la baguette magique. Bon, alors cette baguette, bon, la connotation sexuelle est un peu limitée là, enfin on peut y penser, mais elle est plus présente avec l'ombre de la baguette, qui est très intéressante. Donc introduire toujours un peu de sexe, c'est assez évident sur le monde. Et puis en même temps, baguette, ça fait passer à braguette. Donc, quelques sujets d'action du journal. Aussi, il y a ce qui est intéressant sur les photos, j'avais marqué des déformations. Il y a un cycliste qui s'appelle Jalabert, qui va être nommé sélectionneur. Pour sélectionner les autres cyclistes au championnat du monde, les cyclistes français, pour les choisir. Donc ils font une photo de Jalabert, qui est avec un angle déformant, hein, et qui n'a pas du tout une tête, une apparence de sélectionneur, qui a l'air de fort à bras, comme ça. C'est un peu ridicule, parce qu'un champion cycliste, c'est plus les jambes que les bras. Et qui ne fait pas du tout sélectionneur comme ça. Bon, enfin, on met n'importe quelle photo qui frappe un peu l'œil, hein, c'est le principe. Bon, toute cette prose-là, ça devient de plus en plus people, et encore plus aujourd'hui sport. Alors, les principes, par exemple, c'est les photos recyclées à l'intérieur de... à l'intérieur du texte, avec beaucoup de médaillons. Hein. Il y a un détournement du médaillon. Hein. Vous voyez, là. Le médaillon, c'est d'ailleurs très bien pour introduire de la pub. Et ils n'ont pas beaucoup de pubs, mais ça, c'est de la pub indirecte. Hein. On voit toujours le maillot. Alors, je ne sais pas si c'est payant ou pas. Enfin, ça marche assez fort. En tout cas, là-dessus, je lis Ford, Look. Je lis les trucs de bagnoles, là, il y en a beaucoup, et puis là, le champagne. Alors que l'équipe a des photos à l'ancienne mode, quand même, qui respecte plus le principe de la photo. Là, il entre pratiquement dans le texte. La photo entre pratiquement dans le texte. Donc, il y a une sorte de relais. Alors, c'est très découpé aujourd'hui sport, alors qu'il y a des articles plus longs dans l'équipe. Alors c'est le mode, si vous voulez, pour faire une comparaison cinématographique. Aujourd'hui sport, c'est plus cahier du cinéma, un tas de tout petits articles il y a un formatage considérable, tandis que l'équipe est plus positif, où les articles sont un peu plus longs. Bon, enfin, c'est différent comme sur la façon de considérer les choses. Quoique, effectivement, l'équipe a souvent recopié les cahiers du cinéma. J'avais noté, déjà il y a 50 ans, qu'on piquait les textes des cahiers, des fois. Ça fait du lignage, en l'adaptant au rugby, mais sans citer les cahiers. Le découpement très prononcé, et puis l'évolution normale, c'est-à-dire le journal sportif a un problème maintenant. C'est qu'il y a la télé, et en principe, tous les gens voient
les spectacles, les courses, les matchs à la télé en normal ou beaucoup en Eurosport. Donc il faut essayer d'apporter quelque chose de complémentaire par rapport à la télé, c'est-à-dire qu'on parle de moins en moins des courses ou des matchs dans ces journaux. C'est fondé sur l'avant et l'après-match et sur le dopage. Le dopage, on n'y est pas aujourd'hui parce que c'est le lundi. On parle du dopage en semaine parce que rien ne se court ou beaucoup moins. Donc c'est du mardi au vendredi, le dopage. Et donc l'évolution normale, c'est comme ça, faire des interviews, titrer sur un champion et parler très peu de ce qui se passe au cours du match ou de la course. On a aussi ça en Italie, c'est pire, la Gazzetta dello Sport qui organise le Tour d'Italie. Ils parlent à peine de la course maintenant. Je ne sais même pas s'ils mettent les classements, ni la liste des concurrents, ni le parcours. C'est des interviews, des monographies du vainqueur de l'étape ou de quelqu'un qu'on met en vedette. On trouve ça dans l'équipe, donc c'est un complément comme ça. Ce qui se discute un peu parce que celui qui a la télé, il peut voir un match comme ça, direct, et puis un autre match en repiquant. Hein? Et puis il le revoit après. Mais il ne peut pas en voir plus de deux. Ou alors il faut qu'il ait deux télés, et puis enfin, ça peut exister. Donc ça serait intéressant des fois de mettre des comptes rendus sur des épreuves un peu secondaires, mais c'est pas encore bien ancré. Alors il y a des choses intéressantes, on va le voir dans Aujourd'hui Sport. Mais on remarque Aujourd'hui Sport, comme c'est plus petit, hein, ça fait moitié moins de volume, eh bien, ils réduisent. Là, par exemple, aujourd'hui, il y a trois sports, le foot, le rugby et le tennis. Et puis, il y a une page sur les autres sports, qui est là, où il y a cinq ou six autres sports alignés de façon assez rapide. Basket, il y a juste deux lignes. Et tandis que l'équipe a quand même des références précises à 24 sports. Donc c'est un peu la tête d'affiche sportive sur Aujourd'hui Sport. Alors, dans Aujourd'hui Sport, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il parle plus abondamment des matchs à l'étranger. Ce qui n'existait pas il y a 10 ou 20 ans, on n'en parlait pas, c'était uniquement franco-français l'équipe. Et là, il y a une plus-value, par exemple, il y a un reportage sur un match de championnat italien entre Milan et Rome, avec une description très précise, qui est du journalisme normal. C'est pratiquement un des seuls exemples qu'on trouve de compte-rendu normal dans ce journal, et même par rapport à l'équipe. C'est assez à l'ancienne, parce qu'effectivement, les Français ne peuvent pas regarder ou ne regardent pas la télé italienne. Et autre plus-value intéressante, surtout que ça dépend du Parisien libéré, ils cherchent à s'élargir. Donc il y a un reportage sur les matchs à l'intérieur du Maghreb. Donc ce Sfax à midi temps, sur le match tunisien. Plutôt sympa comme ça, avec tout en une demi-page sur le championnat de Tunisie. Et puis, il y a des fois des récits précis comme ça pour étayer un peu, c'est en bleu hein, les récits. Tout ce qui est en blanc, c'est du baratin bien souvent, mais le bleu, ça marche. Alors, les photos, on va finir par les photos, il ne faut pas que je sois trop long. Alors, dans aujourd'hui, ils n'ont pas de photographe. Il y a beaucoup de photos, mais pas de photographe. Ils les achètent aux agences diverses. Hein.
Alors que l'équipe a ses propres photographes, on le voit, ils sont nommés. Et ça leur revient moins cher, apparemment. Et ils fonctionnent beaucoup à la photo de montage. Là. Par exemple, là, il y a le meilleur joueur qui est avec le meilleur buteur. Ils appartiennent à l'un à Bordeaux et l'autre à Toulouse, donc ils ne se voient jamais. C'est évidemment une photo montage. Ce qui est confirmé par la légende, puisqu'il y a deux photographes qui sont au générique, là. Et alors là, on se pose la question, peut-être vous pourriez m'indiquer, est-ce qu'ils ont fait poser celui-là avec une palme, qui évoque la palme d'or, ou est-ce que, par un troisième trucage, ils ont rajouté la palme dans la main? Moi, je suis plutôt pour la première hypothèse, mais vous me direz. Celui-là, est-ce qu'on a trouvé un endroit où il levait la main ou est-ce qu'ils ont fait lever la main en pensant qu'il allait se piquer le doigt à la palme? Vous voyez, c'est très intéressant à lire les journaux. Il y a des énigmes, hein, c'est le thriller, un thriller involontaire. Bon, on passe un peu n'importe quoi, presque tout c'est des photos hors match. Alors là, par exemple, il y a quelque chose d'assez rigolo. Il y a Alejandro Valverde qui vient de gagner le Tour de Catalogne hier. Et donc, ils en parlent. Et puis alors, la photo, on pense que c'est à l'arrivée. Et puis, si je prends mes lunettes, hein, je vais avoir quand même... Là. Oui, alors c'est une photo du... 25 mars, je lis la date 25 mars, ce qui est pas mal, enfin bon, ça ne tire pas à conséquence, puisque ça aurait été à peu près la même chose, mais c'est quand même curieux, quoi, comme principe. Prendre une vieille photo qui aurait été vendue par l'agence Rotter. Donc, voilà quelques caractéristiques. Et puis aussi, je veux dire, la photo de l'équipe, là, c'est très intéressant et audacieux parce qu'il y a une photo de première page et on remarque qu'il y a un des deux joueurs qui est flou. Celui-là est en vedette. Hein. Il a là, comme ça, en page 5, il a un reportage. Donc on met l'autre en flou. Bon, c'était à la prise de vue, ça, c'est pas un choix forcément au départ. Et c'est assez courageux, c'est-à-dire que souvent on considère que c'est bien du flou quand c'est très apparent, hein? C'est volontaire. Et puis c'est moins bien quand c'est dans le détail qu'on voit un peu de flou. Par exemple, on dit toujours qu'il y a un cinéaste qui s'appelait Visconti et qui il faisait pas mal de flou. Alors comme on savait qu'il avait plein de fric, et ben on se disait, bon, c'est de l'art, c'est du volontaire. Par contre, si c'est Maria Koleva qui a des plans flous, c'est de l'amateurisme. Donc, elle est intéressante, cette photo-là, effectivement dépréciative par rapport à l'autre. Hein. On le met en vedette, et puis il y a un effet d'art. Bon, voilà quelques choses, j'ai peut-être dépassé la limite, mais c'est amusant. Hein. Sais-tu qu'il y a eu un acteur de cinéma qui a été rédacteur à l'équipe pendant plusieurs années, dans les années 50 ? Oui, exactement. Oui, il a fait pas mal de choses, Constantin, d'ailleurs. Et puis il était international aussi de voler, Bowie. Voler, oui. Mmh. Ouais. Michel. Oui. Donc, il y a eu des articles aussi dans les cahiers du cinéma sur la retransmission des matchs de foot, par exemple, sur les dispositifs de mise en scène, de montage. Les côtés cinématographiques. Oui, d'ailleurs, Godard a écrit dans l'équipe, là, il y a une page Godard dans l'équipe qui était très intéressante. Il est assez passionné par les matchs de tennis qui ont été valorisés au cinéma par un mec qui devait faire très peu de tennis, Alfred Hitchcock, avec les têtes qui tournent comme ça dans Strangers on the Train, le procédé qui a été repris dans un film. Vous n'avez jamais eu envie, vous, d'écrire un article sur la marche, le trekking ou le vélo, qui sont vos sports favoris? J'ai écrit une nouvelle qui
qui s'appelle mon premier Stelvio, qui m'avait été commandé sur le vélo. Et puis des fois dans mes films, bon, il y a du sport. Dans le cinéma, il y avait pas mal de sport. Oui. J'ai remarqué qu'il y avait un préjugé d'ailleurs du spectateur. C'est que dès que par exemple il y a course à pied, encore plus vélo, c'est la souffrance qui domine. Alors que effectivement, bon, c'est pas. Ça existe, mais c'est plus au niveau des champions que du commun des mortels. Que quand on fait du vélo normalement, bon, même si on monte d'école, en général, c'est assez agréable. Donc il y a une mythique de la souffrance qui est assez exploitée par ces journaux qui sont souvent assez liés à la droite, le sport est lié à la droite, et qui dit que c'est bien quand l'individu souffre. La contrepartie, c'est la facilité. Donc la facilité des drogues, et puis la souffrance de l'effort. Il y a toute une mythique là-dedans, une morale de la souffrance qui renvoie au christianisme, très présent derrière le sport. Moi, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez des problèmes de dopage au cinéma ? Effectivement, il y a des réalisateurs qui se dopent. Les acteurs aussi. Ils sont assez avantagés, faut dire. Dans notre appel quotidien, vous parlez d'un calendrier des consommations de drogue respecté. Ah oui, bien sûr, parce que là, j'en ai fait l'expérience. Vous en parliez un peu malheureuse, par exemple, pour les amphétamines. Il faut savoir que c'est très bon sur une courte durée. Que pour ma part, j'estime à 2h, 2h10, ça dépend de la quantité, et que ça fonctionne à merveille. Et puis après, KO. Alors donc ça marche. Aussi quand vous tournez, il faut prendre des excitants de création avant, mais pas pendant le tournage. Donc vous avez pour l'écriture, c'est très fort, mais si vous en prenez pendant, ça peut être très dangereux. J'ai pas d'expérience personnelle parce que c'est assez dur de se shooter. Moi, j'ai pas la technique, et j'envie ceux qui arrivent vraiment à se shooter, parce qu'il y a toute une technique que je connais pas, et je les admire. Vous avez été très raisonnable dans le vadémécum qui est donc au milieu. D'ailleurs, je voulais vous demander pourquoi ce vadémécum est au milieu de deux entretiens. Est-ce que c'est votre choix, c'est le choix de mes intervieweurs. Je ne sais pas. Vous pouvez nous dire pourquoi. On va pouvoir conseiller le livre, en tout cas aux étudiants qui veulent faire du cinéma, parce qu'il y a des aspects très pratiques, très concrets qui sont abordés. Et c'est vraiment, je peux être très utile. Je n'ai pas fini sur le dopage stupéfiant. C'est que par exemple, il y a un cycliste comme Bonnen, bon, il prend un peu de cocaïne en dehors des courses. On en fait toute une montagne. On risque de l'exclure du Tour de France, etc. C'est fini. Bon, si c'est Garrel ou si c'est Greenaway ou d'autres, Von Trier ou je ne sais pas, ben, on ne va pas leur interdire la compétition canoise. Enfin, c'est une idée à creuser. Il y a toute la gamme qui s'arrive avec les contrôleurs. Vous savez que c'est une industrie maintenant. Je pense aux petits-enfants qui veulent avoir un emploi sûr pour le futur. Moi, je vais être au contrôle antidopage. La carrière est assurée. Hein. Et on pourrait rééditer ça avec salive, prise de cheveux, sur les marches du palais. Hein. Ça serait pas mal. En tout cas, on a cette chance, on est très avantageux. Je ne peux pas dire tout pour moi, surtout que... vous savez, maintenant, dès qu'on voit un coureur chauve, hein, on se dit, ah ben, il doit se doper, parce qu'effectivement, on ne peut pas lui prendre les poils du crâne. C'est à ça qu'on voit les dopés. J'ai pensé à vous, parce qu'hier, au palmarès du Festival de Cannes, il y a quand même eu des cheveux blancs et des barbes blanches qui ont été primés, donc vous auriez pu peut-être quand même recevoir quelque chose, puisque votre film était à la quinzaine des réalisateurs.
Les récompenses qui sont décernées à la caserne ne sont pas forcément très intéressantes, et puis c'est comme ça, et puis il vaut mieux couronner un réalisateur de 20 ans, comme c'est le cas, plutôt qu'un de 72, 70, ça m'apparaîtrait un peu ridicule. Là, c'était mieux. Plus par rapport à votre côté statisticien, qui vous avez le talent des fois de mettre en valeur comme ça des aspects sur des aspects formels, sur les barbes blanches et les cheveux blancs. Ah oui, il y a une étude à faire. De toute façon, au cinéma, je joue beaucoup de ça, ce qui fait gagner du fric au producteur, parce que je peux avoir deux rôles avec barbe et ensuite je me coupe la barbe. Et donc ça fait deux rôles, même dans la... J'ai trois ou quatre tenues différentes avec barbe noire, barbe blanche, dans le prestige de la mort, etc. Et on ne me reconnaît pas toujours avec postiche. C'est facile pour mettre une perruque pour toi. Quoi ? Perruque, c'est facile pour toi. Oui. Mais dis-moi, dans la scène de Casar, avec Gustave Niel, toi, celui qui fait l'huissier, là, c'est toi, à un moment Non, moi, je représente le fisc. Ah, le fisc, oui. Et ensuite, le plombier, c'est pas que ta famille, quoi. Non, mais j'ai choisi un acteur qui ressemblait à Cotard. Oui, mais j'ai vu. Non, mais au premier plan, je crois que pourtant j'ai vu le film plusieurs fois. J'ai toujours l'impression que c'est vraiment lui, et puis qu'ensuite, quand c'est le plombier, c'en est un autre, mais que le premier, c'est vraiment Cotard. Non, mais c'est parce que il est de face ou de côté, je triche pour qu'on me redoute, et puis on pense que c'est Cotard Favi, et puis on voit que c'est pas lui, il y a un ouais. Jeu comme ça. L'assistance est étonnée, mais enfin c'était assez facile d'imiter Cotard Favi, surtout qu'il avait une moustache, donc ça arrangeait beaucoup de choses. Cotard Favi, excusez-moi. Et sinon, je voulais vous demander, puisque aussi les aspects géographiques sont très importants pour vous, est-ce que la situation de la ville de Cannes par rapport à vos Alpes du Sud préférées est importante ou pas ? Oh ben, effectivement, ça m'amusait de passer un film à Cannes, alors que c'était un film presque couleur locale, puisque les faits montraient la limite, la frontière de la folie s'arrête à 77 km de Cannes. Et donc on est assez près. C'était le film le plus régional qui soit passé à Cannes, après celui de mon confrère Alfred Hitchcock, La main au collet, qui était tout à fait différent, puisqu'il a été beaucoup tourné près de Cannes et sur la moyenne corniche. Mais c'était amusant comme ça d'avoir une référence locale dans ce festival qui se veut international. Donc on peut signaler aussi que votre film La Terre de la Folie va être programmé à Beaubourg cette fin de semaine, je crois. Oui, le 30, ainsi qu'au Forum des Halles le 6. Dans d'autres lieux. Il y a une sortie salle prévue en deuxième quinzaine de janvier. Mais c'est tout sur la dynastie Amaury. Ouais. Je me souviens d'une couverture, je ne sais plus si c'était Charlie Hebdo ou Libération. Bon, quand Amaury, dans le patriarche, le patron de presse, était mort de cheval, ils avaient mis sur la couverture d'abord un axiome, c'était l'axiome d'Amaury. Hein. Nous, on a essayé de faire ça en Capricci, mais on n'a pas pu trouver des titres aussi percutants. Donc c'était l'information ne doit pas être vraie. Elle doit être sensationnelle ou explosive, c'est l'action d'Amaury. Et donc le titre, le lendemain de la mort d'Amaury, c'était « Le cheval d'Amaury sort indemne d'un accident, en très gros, et puis en tout petit, son cavalier, un trompette bien connu, lui est décédé des suites de la chute. » Oui, c'était une référence à l'exemple de Mac Mahon et de son cheval que vous connaissez. Ou que vous ne connaissez pas, je sais. C'est quelqu'un qui est... Il y avait une photo, est-ce que c'était une photo, où il part en 1880, c'était peut-être une photo, après tout, où c'était un récit, il y a le général Mac Mahon, le maréchal Mac Mahon, qui défile sur son cheval. Le cheval a l'air très intelligent.
voulez. Merci beaucoup. Je vous propose de la séance de dédicace est ouverte, mesdames, messieurs. Allez, il faut retourner la stylo. Thank you.